Bonjour, on se retrouve dans une vidéo et c'est un vlog comme il y a un an à New York. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, allez voir. Et je suis à Amsterdam. Je viens de faire 5 heures de route en voiture, c'était très long. Voilà, je suis en Hollande, dans les Pays-Bas, et je reste là 3 jours. Alors, j'ai le visage un peu rouge, parce qu'il fait très très froid ici. C'est le nord, là. Alors, à Amsterdam, il y a beaucoup de vélos. Bon, là, ils sont pas en train de rouler, mais on a beaucoup. Alors ici, les gens parlent hollandais. Alors moi, je fais de l'allemand, donc j'aurais pu comprendre, mais c'est pas de l'allemand. Il y a des mots qui se ressemblent, mais pas tous. En fait, je comprends pas. Alors là, je vais aller visiter ce grand clocher. Ça s'appelle le Westerkerke. Et après, j'irai dans ce café. C'est des cafés qui s'appellent les cafés bruns, au bord de l'eau. Ça s'appelle brun parce que tout le monde fumait et que la fumée faisait une couleur marron. Donc c'est une anecdote sympathique. Là, je suis tout en haut de... Oh, purée. Je vous montrerai où est-ce que je suis quand je serai redescendue, mais j'ai le vertige. Là, je suis là où il y a le logo. Alors voilà, le logo là, c'était ici. C'était quand même assez haut, mais il n'y avait pas encore tout ça. C'était pas accessible. Donc ce petit logo là avec les trois croix dans une sorte de rond rouge, et ben je me demandais ce que c'était parce qu'il y en a partout dans les magasins. Et en fait bah, j'en ai déduit que c'est le drapeau de la ville d'Amsterdam tout simplement. C'est dingue parce qu'il y a déjà toutes les décos de Noël alors qu'on est au mois d'octobre. Bonjour, c'est le deuxième jour. Là je vais aller dans un musée sur Van Gogh. Parce que Van Gogh, je crois qu'il a habité là. Et ensuite je vais dans un autre musée d'art peinture hollandaise. Et après cet après-midi je vais sur un bateau. Gros programme. Ce qui est marrant à Amsterdam, c'est que les fenêtres de chez les gens, les fenêtres sont très très grandes. Ça les gêne pas en fait que les gens voient chez eux. Mais c'est pas pareil en France. Nous on a les rideaux et tout. Enfin, surtout hier soir, on voyait très bien avec les lumières. Ça les gênait pas. Hein. Alors on est samedi matin, là c'est assez calme. Hein. Et puis je vous disais qu'il y a beaucoup de vélos. Et c'est vrai, bon là il y en a pas beaucoup parce que c'est très calme. Mais dès que t'es sur la route, ils klaxonnent, ils font gling 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 gling. Ma Bresma, c'est ça. Ah non, c'est Amsterdam. J'avais pas compris, j'avais mal lu du mauvais côté, c'est pour ça. Bienvenue dans le musée d'Amsterdam. Des vitraux, une bibliothèque, des tableaux de Vermeer ou Rembrandt. Je ne sais pas les différencier. La laitière de Vermeer. Plein de gens la regardent, la demirent, contrairement aux autres tableaux, qui sont tout seuls. Je suis sortie des deux musées. Alors le musée de Van Gogh, j'ai rien pu filmer parce que bah, on pouvait pas. Je vais manger. Il y a un truc, c'est que l'eau est bien bien verte, bien dégueulasse. Je suis dans le bateau. Bien ça.
sympa cette petite balade en bateau. Ça a duré une heure et demie. Et oui, là, il fait déjà nuit, mais c'est parce que je tourne 2-3 heures après avoir été sur le bateau. Ce qui est bien à Amsterdam, c'est qu'il y a des compteurs pour dire dans combien de secondes le feu passera ouvert. C'est plutôt pratique. Oui, ce que j'essaie de filmer, c'était pas pour faire joli, hein, c'est juste qu'il fait trop nuit. Alors je pense que c'est la fin de ce deuxième jour et avant-dernier jour. Enfin, demain, je reste qu'une demi-journée. Donc, à dans quelques secondes. Bonjour, c'est le troisième jour et le dernier jour de ce vlog. Comment pouvais-je faire un vlog à Amsterdam sans évidemment parler du cannabis ? Bon, pour commencer, dans l'hôtel, il y a écrit « Merci de ne pas fumer, d'utiliser de drogue. Si cela se produit, nous vous chargerons de 100 euros, plus les coûts de nettoyage. » Alors les coffee shops, alors si vous savez pas ce que c'est un coffee shop, hein, c'est un coffee shop, c'est un café. Dans ce café, tu as le droit de consommer du cannabis, de la beuh, du shit, de l'herbe. Et il y a aussi des magasins tout simplement qui vendent des petites boîtes de cannabis. Il y a aussi des panneaux pour dire qu'il faut pas avoir de bouteilles d'alcool dans la main dans la rue. Mais bon, je pense que personne ne surveille vraiment. Parce que dans les coffee shops aussi, les touristes n'ont pas le droit d'y aller, mais bien sûr, ils le font. Hein, et personne ne surveille. Pour le cannabis, maintenant, je connais bien l'odeur. Hein. Ça sent, en fait, ça sent un truc brûlé, mais ça sent pas bon. C'est pas comme la cigarette. C'est un mélange de plein d'odeurs. C'est une odeur d'herbe brûlée. Je crois qu'il tourne un film. Et aussi dans ces coffee shops, enfin, c'est dingue parce qu'il y a des cookies, des brownies, des petits biscuits, des sucettes, des glaces, cannabis. Enfin, c'est plus dans les gift shops où on en vend et après les coffee shops, c'est là où on en fume. Et dans les gift shops, il y a aussi des t-shirts, des bonnets Bob Marley et tout. Enfin, c'est la totale. Des bulbes de cannabis. Et oui, il y en a même à Amsterdam. Voilà, je crois que c'est là. Bah, c'est la fin de ce vlog à Amsterdam. Il fait très froid là. Je croise les doigts pour qu'il ne se soit pas écrasé. Ah non, c'est bon. Parfait. Et l'autre. Parfait. Ah, et mes chocolats aussi sont en bon état. Des chocolats d'Amsterdam. Et je crois que je vous ai parlé de tout, hein, de la ville, du cannabis. Et puis, bah, j'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est de vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !